Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour Life. Origine inconnue, du coup, un film acheté sur Vinted pour 6 € seulement, qui est vraiment pas mal, en 4K Ultra HD. Donc pour ce qui est master, je ne sais pas spécialement où est-ce qu'elle en est. Si c'est un master 2K ou 4K, je ne sais pas vraiment. Je vous dirai ça dans une des prochaines vidéos, à peu près ce que j'en pense. Par contre, en audio, il y a écrit forcément pour ce film, pour ce qui est de l'audio, audiovision en anglais, audiovision en français. Donc on verra s'il y a du Dolby Vision ou pas dedans, et si c'est un Dolby Atmos ou pas. J'attends de voir vraiment ce qu'il en est niveau sonore et visuel. En tout cas, les acteurs, hein. Rebecca Ferguson, hein, Mission Impossible, Dune 2, qu'on l'a vu récemment à sa sortie, en DVD Blu-ray. Évidemment, très bonne actrice, vraiment. Ryan Reynolds, voilà, qu'on va jouer bientôt dans Deadpool 3. Et Jake Gyllenhaal, donc, qu'on l'a vu récemment dans Red House, je crois, c'est ça. Sur Prime Vidéo, ouais, que j'ai vu, qui était très sympathique avec Conor McGregor, donc vraiment sympa. Voilà, ces trois acteurs, vraiment magnifiques, très bien. Donc, je sais pas si vous avez vu ce film, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Qui m'a bien tenté, tout simplement pour vous décrire à peu près le résumé du film. À bord de la Station Spatiale Internationale, un groupe de scientifiques en mission découvre une forme biologique à l'évolution fulgurante, déjà responsable de la destruction de toute vie sur Mars. Terrifiés, ils sont maintenant menacés avant qu'ils ne s'en prennent à la Terre. Voilà. Donc c'est vraiment basique. Donc j'espère que ça va être sympa. En tout cas, acheté sur Vinted. Voilà un autre achat. Avec l'intérieur du coup, qui est bien conforme, hein. Le Blu-ray du film, le 4K du film à côté. Donc acheté pour 6 € vraiment, c'est sympa. Dark Tower. Voilà, avec le petit papier. Si vous voulez le voir forcément en digital, ultraviolet, avec le code, vous pouvez le voir un peu partout sur le site. J'ai déjà utilisé une fois, ça avait marché, mais c'est pas un truc qui me... Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de voyager ou se déplacer, qui veulent regarder des films, ça peut servir. En tout cas, le boîtier, le visuel, très sympa, basique. Donc j'ai vraiment hâte de le regarder. Et pour ce qui est évidemment de l'audio en anglais et en français, sur le disque en Blu-ray, c'est du 5 points en français et en espagnol, des tests HD, et du 7 points, des tests HD en anglais. Voilà pour la version Blu-ray. Et puis comme le 4K, il y a écrit français, allemand, audio, vision en anglais, audio, vision en français. Voilà, c'est spécial. Donc j'attends de voir audio, vision, ce que ça va donner. Si c'est du Atmos ou pas. Et puis visuellement. Donc en tout cas, voilà, interdit au moins de 12 ans. Forcément. En tout cas, en dessous, il y a écrit Dolby Atmos, Dolby Audio. Tout en bas. Juste ici. Donc, petite présentation de ce film Life Origine Inconnue que j'ai hâte de regarder. Donc, dites-moi évidemment dans les commentaires, hein, si jamais vous avez pu voir déjà ce film et puis me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vais le voir prochainement, là, très bientôt. Et j'aurai une prochaine vidéo aussi à faire. Évidemment, pour le film, des deux films que je vais vous présenter prochainement dans une prochaine vidéo, évidemment, hein, qui sort forcément la semaine prochaine. Donc, j'espère pouvoir faire ma petite vidéo, si je peux, on verra bien. Alors, voilà, pour cette petite présentation de ce film, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce film-là. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Oliver Ciné Collection. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.